aurait pensé avec le centenaire de Scriabine que le disque est parti de Scriabine et que j'ai mis un autre compositeur. Or, ce n'est pas ça du tout. Ce disque est parti d'une rencontre. Sans trop y penser comme ça, je me suis dit, bah, peut-être qu'on pourrait travailler, je suis compositeur, pourquoi ne pas te montrer des partitions ? Comme je suis quand même une musicienne et une pianiste curieuse, je suis allée écouter ce qu'il composait et ses œuvres, différentes pièces, et j'ai eu un vrai coup de cœur. L'idée de faire un disque s'est imposée en fait à nous de façon très naturelle. Toutes les qualités que j'aime chez un artiste du clavier étaient réunies. Voilà, toucher, dynamique, beaucoup de naturel. Ce que j'aime d'abord, il y a une... Et là, c'est de sa culture, il est d'origine biélorusse. Il y a une nostalgie dans son discours, une poésie qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines pièces de Scriabine, dans certains Shostakovich. Et puis justement, ce mélange, parce que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que on est... un siècle donc après la disparition d'Alexandre Scriabine, qu'est-ce qu'on peut composer un siècle après ? Imaginez quand on entend le disque en entier, hein, que ce soit Kirill Zaborov ou Alexandre Scriabine, on imagine ces paysages russes, on imagine la Russie profonde avec tout ce que ça comporte de richesse et aussi de souffrance. L'écriture de Scriabine et puis le développement de Scriabine comme compositeur. Le premier Scriabine qui est, je ne vais pas dire pas loin de Chopin, mais quand on entend une mazurka de Chopin, une mazurka de Scriabine, on n'est pas si loin. Et puis, on arrive dans cette période intermédiaire que j'ai choisie pour ce disque, où évidemment, on est quand même un peu plus éloigné de Chopin, pas encore dans la dernière période de Scriabine avec la 9e sonate. J'adore ces lectures des études de Scriabine. J'aime bien comment elle entend, comment elle pense ces œuvres-là. J'ai entendu personne encore jouer les études de cette façon. C'est aussi c'est les formes que j'ai choisies, c'est-à-dire que j'ai choisi des formes, une forme de structure un peu courte comme l'intégrale des études opus 42, même la 4e sonate qui est une sonate en deux mouvements, n'est pas une sonate, on est quand même déjà un peu loin de la 3e sonate qui est beaucoup plus longue. Et je voulais aussi que dans la forme de structure de l'œuvre, on ait des pièces courtes pour qu'il puisse y avoir aussi cette alliance avec les pièces enregistrées de Kirill Zaborov.
feu qui sort sous ses doigts, de par ses couleurs, ses respirations, toutes ces choses. En tout cas, moi, je reconnais vraiment sa signature.